Vous êtes à la recherche d'une machine à soda pour créer une large gamme de sodas et eaux aromatisées à la maison sans avoir besoin d'acheter constamment des bouteilles en plastique. Avec une machine à soda, vous contrôlez la quantité de gaz injecté selon vos préférences, vous permettant ainsi de personnaliser le niveau de pétillance de vos boissons. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 3 des meilleurs modèles du moment que nous avons choisis après un examen rigoureux. Nous les avons sélectionnés selon les 3 critères de choix principaux. Critère numéro 1, les dimensions de l'article pour s'assurer qu'il puisse s'insérer partout. Critère numéro 2, la possibilité de régler la quantité de gaz injecté. Et critère numéro 3, le nombre de récipients bouteilles fournis. Vous retrouverez ce tableau comparatif complété en fin de vidéo, après la présentation de chaque modèle. Si l'un d'entre eux vous intéresse, les liens marchands sont à retrouver en description de cette vidéo. On commence par la présentation du premier modèle, c'est la machine à soda Philips Go Zero. Elle mesure 42 cm de haut, 25,5 cm de profondeur et 11 cm d'épaisseur. Cette machine d'un poids de 1,8 kg fonctionne sans aucune alimentation électrique ni pile. Elle est fournie avec une bouteille en plastique sans bisphénol A d'une capacité de 1 litre. Pour réaliser une boisson gazeuse, la bouteille doit être vissée sur le support. Le fait qu'il s'agisse d'un système à vis plutôt que d'un système à clips permet de maintenir l'étanchéité sur le long terme malgré un grand nombre d'utilisations. Avec ce système, le gaz va à coup sûr dans la bouteille et ne s'échappe pas par la jonction. Lors de l'achat de cet appareil, une bouteille de gaz est fournie permettant de réaliser jusqu'à 60 litres de boisson gazeuse. Et pour répondre à tous les goûts visuels, cette machine est disponible en 4 coloris. Ce modèle à 100€ a reçu la note de 4,2 sur 5 sur plus de 2100 avis clients. Le second modèle retenu est la machine à soda SodaStream Terra. Elle mesure 43 cm de haut, 19,5 cm de profondeur et 13,5 cm d'épaisseur. Cette machine, qui fonctionne sans aucune alimentation électrique, pèse 2,5 kg. Elle est fournie avec une bouteille de gaz capable de gazéifier 60 litres de liquide. Cet appareil est fourni avec 3 bouteilles en plastique sans bisphénol A, dont 2 ont une capacité de 500 ml et la troisième a une capacité de 1 litre. Le système de fixation des bouteilles se fait par clipsage, donc c'est beaucoup plus pratique et rapide que de devoir les visser, mais par contre, ça s'endommage plus vite au fil des nombreuses utilisations, notamment avec l'étanchéité qui est de moins en moins performante. Ce modèle, au prix de 117€, a été évalué 4,7 sur 5 sur plus de 1200 évaluations. On termine avec le troisième modèle sélectionné, c'est la machine à soda Arc Carbonator 3. Ses dimensions sont de 41 cm de haut, 26 cm de profondeur et 15 cm de large. Il fonctionne sans aucune alimentation électrique, donc pas besoin de le brancher ni d'insérer des piles. Cette machine à soda présente un atout majeur, c'est celui de pouvoir ajuster la quantité de bulles en fonction de ses préférences. Grâce à un levier, l'utilisateur peut ajuster la quantité de gaz insérée dans la bouteille. Il y a en tout 3 niveaux de réglage. Par contre, aucune bouteille de gaz n'est fournie lors de l'achat, il faut l'acheter en supplément. Il est fourni une bouteille en plastique sans bisphénol A d'une capacité de 1 litre. Cette bouteille se visse sur le support de l'appareil afin de conserver une étanchéité parfaite lorsque le gaz est injecté. Visser, c'est un peu plus contraignant, mais la machine aura une efficacité continue dans le temps. Cet appareil pèse 1,4 kg à vide et il est disponible en 10 coloris différents pour satisfaire toutes les préférences. Ce modèle à 210€ a obtenu la note de 4,6 sur 5 sur plus de 4500 avis clients. Vous venez de découvrir notre sélection des 3 meilleurs modèles du moment. Pour faire votre choix, vous retrouverez dans ce tableau les différences majeures entre chacun d'entre eux. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour prendre le temps de comparer. Nous vous rappelons que pour chaque référence, les liens marchands sont placés en description de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, l'équipe du Petit Comparateur vous invite à vous abonner à la chaîne, car vous méritez le meilleur.